Dis-moi pas, dis-moi tout, je chante le blues. Mais l'Orient. Je prends mon temps, moi qui suis périchant. C'est tout pareillement. Mais c'est moi dans ma blouse. Et chante à longueur le temps. Quand la mariée est jalouse, je chante les blues. Alors mon pitchou, aujourd'hui j'étais au McDonald's. J'ai eu mon premier salaire, c'est pas fantastique. Et ça m'anime pas les ventouses, je chante les blues. I got the blues. Oh! Alors nous sommes. Enfin, je suis toujours tout seul. L'hôtel 36 rue de l'hôtel de Villarino. Téléphone mobile 06 35 17 65 33. Le deuxième téléphone 06 02 34 95 13. J'ai réussi à garder ce numéro malgré Free Telecom que j'ai payé 70 euros pour le garder, qui me demande encore une fois 23,99 €. J'ai porté plainte, une pré-plainte en ligne, contre Free Telecom et Xavier Niel, le président directeur général, PDG de Free. Copain, le président Emmanuel Macron, ils n'ont pas voulu prendre pour l'instant. Ma déposition à la gendarmerie d'Erstein, donc je vais envoyer directement la plainte signée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel j'avais déjà envoyé à l'époque, non, au doyen des juges d'instruction, je sais plus, parce que moi et papa, ça fait deux, une plainte pour usus, les prêts à usure, les banques n'ont pas le droit de dépasser un seuil de 33% de votre salaire au niveau de l'endettement, chose qu'avait fait Cofidis en 2015 en octroyant de nouveau 3 000 euros de fonds. Ils m'ont envoyé une carte bancaire avec le même numéro alors que j'étais en situation donc, de remboursement de dette pour un rachat de crédit de 37 700 euros que j'avais souscrit avec mon ex-épouse. Du coup, j'étais sous curatelle et j'aurais dû être protégé par mon ancien curateur Jacques Schneider qui, parce que ça je l'ai appris par la suite, Dominique Michel, que je salue, du syndicat de lutte contre les banksters, banksters et lambda, the drug money, George Carlin. Normalement, si un organisme de crédit vous octroie, vous donne de l'argent de nouveau, et s'ils n'ont pas consulté le fichier positif de crédit, qui n'existe pas en France, mais... je veux dire, ils doivent se renseigner, c'est tout ce qui est intérêt, tout ça qui passe. Donc, Cofidis m'avait attaqué en justice, ils ont été déboutés. Condamné aux frais et dépens. Alors, je vous explique le principe, 10 000 euros, Cofidis s'auto-octroie la moitié, c'est-à-dire 5 000 euros sur les 10 000 euros, en cas de non-possibilité de remboursement, de crédit d'impôt. Comme l'a fait la Société Générale qui avait accusé Jérôme Kerviel, l'escroquerie, dont on sait aujourd'hui qu'elle savait, et je salue la députée Isabelle Attard qui, dans une de ses vidéos à l'Assemblée nationale, interpelle le ministre Sapin en lui disant « Quand est-ce que vous allez récupérer les 2 milliards que la Société Générale s'est auto-octroyée en crédit d'impôt ?» J'en profite pour passer un coucou aux impôts. J'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence. Oh oui, je vous aime, j'aime aussi ma maison de disques attachée de presse, la standardise, je les aime. Oh oui, je les aime, sans oublier ma petite Sassem, qui sait combien
combien je l'aime, mais j'en raffole pas, j'en fais pas des tonnes. J'espère surtout que je n'oublie personne. Lèche botte blues, je fais le lèche botte blues, lèche botte bon. Alors je continue. Voilà. Donc je suis quand même étonné qu'on le fisc m'ait mis un avis à tirer les tenteurs sur mon compte Nickel Bank. Ça m'a coûté 20 euros. Je voulais chercher les clopes en Allemagne, du coup. Il y a plomb pognon, ils m'ont mis 20 euros. Alors il faut savoir que 20 euros c'est chez Nickel, parce que généralement les autres banksters demandent 70-80 euros pour des affiliés à vie à tirer des tenteurs. Alors c'est une amende. Une amende de 90 euros que j'ai eue et que bien entendu j'ai pas pu payer. Et comme ma référente RSA est ingéniable, elle s'appelle Marie Pollard, comme l'assistante sociale d'Erstein qui s'appelle. Je me perds dans tous ces prénoms. Hélène Munich, injoignable aussi. Je les appelle. C'est... Oui. Oui, ils sont pas le temps. Oui, je peux avoir vos coordonnées. Ah, je ne vous donnerai pas mon nom. The Table is still at Folk, The Game is Rick. Eux, ils savent que je m'appelle Philippe Stocker. Ils ont mon numéro de mobile. Mais, alors que la loi oblige tous les fonctionnaires de l'administration de sur simple demande. De définir leur identité, nom et prénom, eux, sont au-dessus des lois et se permettent tout ce qu'ils veulent. Exemple, 2 septembre 2015, canard enchaîné. La justice, 45 000 emplois au black. Au ministère de la justice, ça n'a pas encore changé. Pas comme ça. Je vous invite à regarder le Facebook, donc des... Le truc sur les inégalités, observatoire des inégalités, où on voit par exemple, ils font ça avec des enfants, c'est très bien fait. Ils donnent par exemple un D à un gamin, le D il a que des 1. Donc il peut pas faire de 6. À un moment, il interpelle un jeune black, pas péjoratif je pense, africain on va dire, enfin une couleur de peau brune, et puis il dit, toi tu vas en prison. Ben, pourquoi? C'est comme ça. Bien montrer la discrimination raciale qui est en cours aux States. Aux States, vous avez 9 chances sur 10 d'aller en taule si vous êtes un black. Enfin, c'est comme ça encore aux États-Unis. The American dream, it's because you have to be asleep. To believe it. Well, we know what they want more for themselves and less for anybody else, but I will tell you what they don't want, people like me. Capable of critical thinking, that's against their interest, that's right. And now, exactement comme dit Étienne Chouard, Emmanuel Macron est en train de détruire la sécurité sociale. Et Bruno Le Maire dit, je vais diminuer les charges, Georges Carlin le disait déjà en 2008. And now they are coming for your social security money, folks. Et maintenant, ils sont en train de venir pour vos acquis sociaux. They want it back. Ils peuvent le récupérer. So, they can give it. Comme ça, ils peuvent le donner to their criminal friends, à leurs amis criminels de Wall Street. And you know what? Et vous savez quoi? They'll get it. Ils vont l'avoir soon or later. Tout ou tard. Because it's a big fucking club. Parce que c'est un grand club de pourri. And you know what they want? Obedient workers, and you know what they don't want? People like me, capable of critical thinking. Voilà. Alors, un petit coucou à tous ceux que j'adore, c'est-à-dire les banquiers, les psychiatres et le gouvernement. Alors aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, puisque jeudi, c'est le jour des experts, c'est mon calendrier. J'ai eu le 30 janvier 2020 à 20h57 à Ichtratsheim. Vous avez commis une infraction du code de la route qui avait entraîné le retrait de 1 point de votre permis de conduire. Le code prévoit la récupération du point à l'issue d'une période de 6 mois sous réserve de ne pas commettre une nouvelle infraction entraînant un retrait de points. Vous remplissez cette condition à ce titre. J'ai la satisfaction d'en convaincre que 1 point vient de vous être rétribué. Votre solde de points est à 12 sur un capital de 12 points pour 1 km/h à Ichtratsheim. L'amende que je n'ai pas pu payer est montée à 201 euros. Hélène Munich, l'assistante sociale d'Erstein, est injoignable pour demander à mettre un échéancier. Marie-Paul Orme aussi. Heureusement que j'ai retrouvé du boulot. Je salue le groupe Lérina, Philippe Lérina, mon patron
qui a eu la gentillesse de me faire confiance. Il a bien eu raison, parce que j'ai écrit un bouquin sur les auto-écoles que j'y montrerai à l'occasion. Et donc, je suis vraiment étonné, parce que moi, Philippe Stocker, gentil moniteur auto-école de 450 000 km, on va me mettre un avis à tirer des compteurs et tout ça. Alors que si on tape rap, haute pierre, sur YouTube, on voit une jeunesse armée, identifiable. Donc j'ai dit ça aux gendarmes de Benfeld le lundi 16 novembre à 8h. Ils ont dit mais ça c'est pas chez nous. Ah ouais, c'est pas chez nous. Ah, nous c'est Benfeld. Hein. C'est ailleurs, c'est la maison qui rend fou, l'Astérix. La maison qui rend fou quand c'est pas ici. C'est là-bas. Ça ne nous concerne pas. Vous tapez rapeau de pierre. Alors je pense déménager là-bas. Je me sentirais plus en sécurité qu'au 36 rue de l'Hôtel de Ville où là les huissiers débarquent et vont vous piquer la téloche si vous ne payez pas une amende. On est plus en sécurité dans les banlieues. Alors je veux dire par là que j'ai absolument rien contre cette jeunesse de banlieue. Je gère mieux la jeunesse de banlieue que les voyous en col blanc, les banksters, les hommes politiques qui font des détournements de fonds publics comme Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, et qui dit qu'à Marseille, à la Canebière, il n'y avait pas besoin de la louer pour inventer le vélib à Marseille, à la Canebière, avec une simple petite pince. Monseigneur, tout le monde a accès à vélo. Il y a même les filles qui sont en accès libre à Marseille, à la Canebière. End off. Ah là, je vais me faire interdire. Ah là, on va à l'ambulance qui va débarquer. Philippe Stocker à l'asile.